femme et d'enfants. Oh, tu pries devant tout. I have a value before Dieu te dit. God tells me, je veux qu'ils soient sauvés. I want them to be saved. C'est des petits sorciers, ce sont des chances. Je ne désire pas leur mort. Je veux qu'ils changent et qu'ils soient sauvés. They are little sorcerers, it is true, but I don't desire the death. I want them to change and be saved. Soyez bénis. Be blessed. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Everything works for the good of those who love God. Et qui sont appelés selon son dessein. And who are called according to his purposes. L'intercession, c'est quoi? What is intercession? L'intercession est une prière. Intercession is a prayer. Une instant prière. It is an instant prayer. Adressée à Dieu. That is addressed to God. En faveur de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. In favor of a person or a group of people. Une prière fervente. A fervent prayer. Élevé à Dieu, that is lifted up to God, en faveur de quelqu'un d'autre, in favor of someone else, ou d'un groupe de personnes, or in favor of a group of people. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire que beaucoup de personnes n'intercèdent pas. It means that many people do not intercede. L'égocentrisme, egocentrisme, fait qu'il manque d'intercession. Because of it, there is a lack of intercession. Quand quelqu'un se place devant Dieu, when someone stands before God, c'est donne-moi, 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 give me, 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 give me. Nous, we, n'existe pratiquement pas. Does not even exist. Pour oublier même le moi et le nous, pour et prier pour l'autre, 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 c'est très rare. Even to forget the I or the we and pray for the other is very seldom. On intercède. We intercede quand on s'oublie. When you forget yourself. Et qu'on s'adresse à Dieu. And we address God. Pour qu'il agisse. For him to work. Pour le bien de l'autre. For the good of the other. Pour sa guérison. For his healing. Pour son salut. For his salvation. Pour son pardon. For his forgiveness. Pour sa restauration. For his restoration. Pour sa délivrance. For his deliverance. Pour sa persévérance. Pour sa persévérance. For his perseverance. Tu es devant Dieu. You are before God. Oh Père. Oh Daddy, Father. Donne-leur. Fortifie, give fortifie. Them, soutien, 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 soutien. Help, help. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Tu peux passer une nuit de prière. You can spend a prayer night. Pleurant devant Dieu. Crying before God. Ce n'est pas interdit. It is not forbidden. Mais dans le contexte du combat que nous menons. But in the context of the warfare we are carrying out. Tu commences un jeûne. You start a fasting. Tu dis je veux prier. You say I'm going to pray. Pour la délivrance de ma famille. For the deliverance of my family. Après tu te mets à genoux. And after you kneel down. Oh Dieu, donne-moi, donne-moi. Oh God, donne-moi, give me, give me, give me, give me, give me, give me. Tu dis donne à mon papa. You say give to my father. Une fois. Après tu dis donne-moi, donne-moi, donne-moi. After you say give me, give me, give me. 10 fois. Give me 10 times. Après tu donne à ma maman. Give to my mother. Après tu dis donne-moi, donne-moi, donne-moi. And after you say give me, give me, give me, give me. Tu n'intercèdes pas. You are not interceding. Prends ton dictionnaire, va lire. Intercéder. Take your dictionary, go and read intercede, to intercede.
Quand Dieu parle, il dit, je cherche parmi eux un intercesseur. When God speaks, he said, I'm seeking in the midst an intercessor. Tu peux t'étonner. You can be astonished. Avec toutes ces prières, wo partout, le matin, midi, le soir, le jour, la nuit, Dieu dit qu'il cherche un intercesseur. You can be astonished that with all those prayers in the night, in the daytime, everywhere, God is still seeking an intercessor. Il y a beaucoup de plaintes. There are many complaints. Beaucoup de murmures. Many murmuring. Beaucoup de lamentations. Many lamentations. Mais il n'y a pas d'intercession. But there is no intercession. Et Dieu nous a, au lieu que COVID-19 soit pour nous une occasion de nous lamenter, Dieu nous dit, saisissez l'occasion aussi et retournez à l'intercession. Instead that COVID-19 becomes for us an opportunity for us to lament, God tells us that you must seize the opportunity of this sickness to go back to intercession. Le Seigneur nous a révélé, the Lord has revealed to us, qu'il y a des bénédictions, that there are blessings, qui ne peuvent être libérées, that cannot be released, que si le peuple prie pour le salut de la famille. That can be released only if the people pray for the salvation of the family. Parce qu'il y a des malédictions que Dieu lui-même a prononcées contre ta famille. Because there are curses that God himself has proclaimed against your family. Ce n'est pas le diable. It's not the devil. Dieu, God, dans sa justice, in his righteousness, a frappé, has struck, il a maudit, stricken and cursed, il a rejeté, and he has rejected. Et il a montré le chemin. And he has shown the way. Nous ne tâtonnons pas. Dieu a montré le chemin de la délivrance. So we are not groping about. God has shown us a way. Il dit ce qu'il désire en faisant ça, ce n'est pas qu'on meure, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive. So the Lord told us that what he is desired, what he desires while doing so, is not for the wicked one to die, is to repent. Et le prophète Isaïe dit, and prophet Isaiah says, quand tes jugements s'exercent sur la terre, when les nations apprennent ta justice. When your judgments are exercised on earth, nations learn your justice, your righteousness. Donc Dieu veut qu'on le connaisse. So God wants people to know him. Dieu veut qu'on connaisse sa justice. God wants us to know his righteousness. Dieu veut que l'homme comprenne qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Tous sont pervers. God wants man, wants us to understand that, to know that there is no just on earth, that all are perverse. Il dit, nul, aucun ne cherche Dieu, personne ne cherche Dieu. He said, no one seeks God. L'intercesseur doit connaître le jugement de Dieu. The intercessor must know the judgment of God. Dieu dit, God says, il n'y a personne, that there is no one, qui le cherche. Who is seeking, si tu vérifies, if you check, tu trouveras que c'est vrai. You will find out that it is true. Donc, quelqu'un qui veut intercéder, so someone who is want to, qui ignore cette réalité, who wants to intercede, ne saura pas prier, ignores this reality, we don't know, will not know how to pray. Il va se tenir devant Dieu. He will stand before God. Tu sais que, you know that, c'est toi seul, you are the only qui one, qui est notre soutien, who is our help. Tu sais qu'on a laissé le monde. You know that we have forgotten about, we abandoned the world to follow you. Ne nous abandonne pas. And do not forget, forsake us. When he looks, he does not even see those people who say that they have forsaken the world. Pour intercéder, in order to intercede, il faut supplier Dieu. You must plead with God. Supplier, c'est quoi? What does it mean to plead? C'est with God? Implorer. It is to beseech. C'est implorer Dieu. It is to implore God pour qu'il accorde sa faveur. So that he grants his favor. Sa grâce.
for him to grant his grace, sa clémence, his gentleness, sa miséricorde, his mercy. Donc ça te brise. So it breaks you. C'est une attitude, une position d'humilité. It is a position, an attitude of humbleness. Tu dois éviter. You must avoid de tenter de montrer que tu vaux quelque chose devant. To try to show that you worth something before God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous, Dieu nous avait révélé qu'il faut supplier, s'identifier à sa famille, confesser ses péchés, God, implorer que Dieu retire sa malédiction qu'il a prononcée. God revealed to us that we must supplicate, implore God in order so that he will remove his curse. Et Dieu nous a aussi enseigné qu'il faut mener des combats spirituels même après toutes les délivrances. And God also taught us that we must carry out spiritual warfare even after all the deliverances. Et beaucoup aiment les combats. And many love the warfare. L'intercession n'attire pas un grand nombre. Does not draw the great number. Les supplications. Supplications. N'attire pas un grand nombre. Does not draw and attract a great number. C'est pour cette raison. And that's why. Que certains n'ont pas eu d'exaucement. Some didn't get any granting. Dieu cherche. God seeks. Un intercesseur. He is seeking one, an intercessor. Ne te précipite pas pour dire que c'est moi, je suis là. Attention, regarde bien. Do not be in a hurry saying that it is me. Pay attention. Est-ce que tu es intercesseur? Watch out. Are you an intercessor? Tu pries pour toi-même ou tu intercèdes? Are you praying for yourself or are you interceding? Il y a des gens qui me demandent, est-ce que je peux ajouter mes requêtes personnelles pendant que je fais le renversement? Some people, ça veut dire qu'il y a une incapacité de se vendre, de se consacrer, de s'identifier absolument à sa famille pour n'implorer qu'une seule chose, la délivrance divine. There are some people who ask me, can I add my own topics to that of my family? It means that it is difficult for brethren to forget about themselves and concentrate on only one supplication, that is the deliverance of the family. Des prières comme les mercredis. The prayer that, like those of Wednesdays. Quand on dit à quelqu'un tu vas prier pour la nation, ça ne dit rien. Les gens veulent prier. Oh Seigneur, mon genou, mon pied, mon dos. Si c'est le dos là, il peut prier toute la nuit. We tell someone, for example, for Wednesday, we tell people that we are going to pray for the nation. The brethren do not care about that. But if it is about themselves, they back or a part of the body. Mon mariage. That my wedding, my marriage. Mariage avec les larmes. Mon mariage. When it is my marriage, it is with the tears. My marriage. Et le Seigneur dit, je cherche. C'est lui qui va faire ça, mais pour les autres. Intercéder, n'oubliez pas ça. Regardez. Who has his dictionary here? You must check it. Si nous nous séduisons nous-mêmes, ça sera difficile. If we deceive ourselves, it will be very difficult. Cette année, this year, il y aura l'intercession. There will be intercession. Il y aura l'intercession. There will be intercession. Dieu ne parle pas pour rien. God does not speak for quand Dieu parle, c'est pour délivrer. When God speaks, it is to deliver. C'est pour ramener. It is to bring back. Il dit, je t'instruirai. He said that I will instruct you. Je te montrerai la voie à suivre. I shall show you the way to follow. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous perdre. God did not save us so that we get lost. Quand il a sorti Israël de l'Égypte, when he took Israel out of Egypt, il guidait Israël. He was guiding Israel. Il y avait le feu. There was la fire. La nuit, il y avait le feu qui les dirigeait. In the night, there was the fire that led them. Le jour, il y avait une nuée.
Ils savaient que c'est par là que Dieu veut qu'on passe. In the daytime, there was a cloud, and they knew that this is the way we have to take. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. And Jesus said that I am with you always up to the end of the world. Nous ne pouvons pas nous égarer. We cannot be led astray. Parce que nous avons le guide suprême. Because we have the supreme guide. Et c'est lui qui nous dit. And he's the one who tells us, je ne suis pas satisfait. I'm not satisfied. Je vous ai dit d'intercéder. I told you to intercede. Et de supplier. And to beseech. Mais il n'y a pas d'intercession. But there's no intercession. Les gens portent les fardeaux. Tu as trouvé? Intercéder. Prier. Solliciter pour quelqu'un afin de lui procurer quelque chose ou de le garantir de quelque mal. Vous souriez pour quelqu'un. You underline for someone. Va chez toi là-bas. C'est la même chose. Intercéder, intervenir, user de son influence en faveur de quelqu'un. Intervenir ici, c'est la prière. Pour nous, c'est la prière. Intervening here for us is prayer. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et frère, je te dis la vérité. Brethren, I tell you the truth. Si tu intercèdes, if you intercede, humainement, c'est comme si tu perdais le temps. Humanly speaking, it is as if you are wasting time. Toi, tu as des problèmes. You have problems. Dieu te dit. God tells you. Je vous ai maudit. I have cursed you. Parce que vous m'avez rejeté. Because you have rejected me. Mais je cherche un intercesseur. But I'm seeking an intercessor. Et toi, tu es là, mon pied, mon and pied, you are there, my leg, my je leg. Dis, je cherche un intercesseur. God toi, tu dis, mon dos, mon dos. I'm seeking an intercessor. He said, my back, my head. Qu'est-ce que Jacques dit? What does James say? Il dit, vous priez. Et said, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. You pray and you don't receive because you don't pray in the right way. Vous priez pour vos voluptés, c'est-à-dire vous priez pour vos besoins, les choses qui vont vous procurer le plaisir, la satisfaction. You are praying for yourself, for your needs. That is the thing that will give you satisfaction and pleasure. Le Seigneur veut un peuple. The Lord wants a people qui connaissent son rang de sacrificateur. Who knows their position of priest? Que Jésus est descendu. That Jesus came down. Il a mis fin au sacerdoce terrestre. He has put an end to the earthly priesthood. Et il a instauré un sacerdoce divin. And he has installed a divine priesthood. Et il est le souverain sacrificateur. And he is the high priest. Et il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. And he has made of us priests for God his Father. L'une des lois des sacrificateurs. One of the laws of priests. C'est de rappeler le souvenir is du peuple. To recall the people. De tout faire pour que Dieu n'oublie jamais le peuple. To do everything, he does everything so that God will never forget the people. Lisons-le dans Exode chapitre 28, versets 29 et 30. Let us read it in Exodus chapter 28, reading from verse 29 and 30. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver a toujours le souvenir devant l'Éternel. So Aaron shall bear the names of the sons of Israel on the breastplate of judgment over his heart when he goes into the holy place as a memorial before the Lord continually. Tu joindras au pectoral du jugement l'urim et le thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. And you shall put in the breastplate of judgment the Urim and the Thummim, and they shall be over Aaron's heart when he goes in before the Lord. So Aaron shall bear the judgment of the children of Israel over his heart
before the Lord continually. L'intercesseur doit savoir ce que Dieu veut. The intercessor must know what God wants. Dans le cas d'Aaron, ce que Dieu veut ici. In the case of Aaron, what God wants here, c'est que Aaron doit tout faire. So is that Aaron must do all pour que Dieu se souvienne toujours d'Israël. For God always to remember Israel. C'est pour que il doit tout faire pour que l'Éternel n'oublie pas le peuple d'Israël. He must do all so that the Lord will not forget the people of Israel. En d'autres termes, in other words, Aaron doit porter les enfants d'Israël sur son cœur afin que Dieu ne les abandonne jamais. Aaron must bear the children of Israel in his heart so that God will not forget them. Afin que leurs péchés soient toujours couverts. So that their sins shall always be covered. Il dit à Aaron, ne te présente pas devant moi sans les noms des enfants d'Israël sur ton cœur. He tells Aaron, do not stand before me without the names of the children of Israel in your heart. Donc ce qui est important ici, so what is capital here? Ce n'est pas ton titre de sacrificateur. It's not your position of priest. C'est ta capacité de porter les noms sur le cœur. It is your ability to bear the names in your heart. Tu peux être un Aaron. You can be an Aaron. Mais quand tu as laissé les enfants derrière, when you have left the children aside behind, tu es devant Dieu, ma tête, mon pied, and you say, my head, my feet, my leg. Dieu te dit, présente-moi le pectoral du jugement. The Lord tells you, show me the breastplate of judgment. Et puis tu lui montres, il n'y a rien dessus. And you show him, there's nothing on it. C'est toi seul qui es là devant lui, comme si c'est toi qui étais l'univers. You are there alone before him as if you are the one who is the universe. Quand tu as un problème, tu secoues la terre et le ciel. When you have a problem, you shake heaven and earth. Dieu te rappelle. God recalls you. Je cherche un intercesseur. I'm seeking an intercessor. Je cherche un intercesseur. I'm seeking an intercessor. Les bandits de ta famille. The robber of your family. Les sorciers de ta famille. The witch of your family. Ont du prix devant Dieu. Have a value before God. Dieu te dit. God tells you. Je veux qu'ils soient sauvés. I want them to be saved. C'est des petits sorciers. Ils sont méchants, c'est vrai. Mais je ne désire pas leur mort. Je veux qu'ils changent et qu'ils soient sauvés. They are little sorcerers, it is true. But I don't desire the death. I want them to change and be saved. Ils sont maudits, rejetés, c'est vrai. They are cursed and rejected, it mais is true. Je cherche un intercesseur. But I'm seeking an intercessor. Les problèmes que tu vis là, the problems that you are going through, ils vivent ça aussi. They also live the same, they have the same experiences. Tu es mon enfant. You are my son. Si tu as mal au pied, if you have a pain in your leg, et ils sont de la tête jusqu'à la plante des pieds, rien n'est en bon état. Et ils sont même morts, ils pourrissent dedans. But as for them, from the head to the toes, they are sick, they are even getting rotten, and they are dead. Donc je veux que tu intercèdes. So I want you to intercede. Il te rappelle. He brings into your memory. Par définition. That by definition. Intercéder, c'est intervenir pour un autre, pas pour toi-même. Interceding is intervening for another c'est person. Prier pour un autre. Not for yourself. It is to pray for c'est another. Jeûner pour un autre. It is fasting for another. Jeûner pour un autre. Fasting for another. Prier pour un autre. Praying for another. Te consacrer pour un autre. It is to devote yourself for another. Tu es déjà sanctifié. You are already sanctified. Mais tu te sanctifies encore pour les autres. But you sanctify yourself more for the others. Parce que tu veux que Dieu t'exauce. Donc tu te sanctifies pour que ta prière monte vers Dieu. You want God to grant you, so you sanctify yourself so that your prayer can be lifted up to God. Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Jesus said, I sanctify myself for them. Jésus n'a pas de problème. Jesus has no trouble. Il est Dieu. He's God. Il est descendu.
He descended. Il a payé le prix. He paid the price. Il a ouvert le ciel. And he opened heaven. Il est remonté. And he went up. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. And he sat at the right of the divine majesty. Mais il prie pour nous. But he prays for us. Là, sur le trône, il intercède pour nous. There on the throne, he intercedes for us. Lisons dans Romains chapitre 8. Let us read in Romans chapter 8. Lisons d'abord le verset 34. Nous allons lire le verset 34 et nous allons lire 26 et 27. Let us first read verse 34 and after we read 28 and 27. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Maintenant, le Saint-Esprit aussi intercède pour nous. And also the Holy Spirit intercedes for us. Lui, il n'est pas attaqué par les démons, il n'est pas malade, mais il intercède. Pourquoi? Pour nous. He is not hungry, he is not attacked by demons, but why is he interceding? It is for us. Versets 26 et 27 de Romains chapitre 8. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Jour et nuit, le Saint-Esprit prie. Pourquoi? Il a quel problème? C'est pour toi et moi. Day in and day out, the Holy Spirit intercedes. For which, what reason? It is for you and for me. Ne pense pas que le temps consacré à crier pour les autres est un temps perdu. Do not believe that the time that you devote to cry out for the others is a waste of time. Est-ce que je peux ajouter mes besoins personnels pendant que je jeûne pour telle personne? Can I add my personal needs while I'm fasting for such person? La réponse est tu peux. The answer is that you can. Mais tu n'intercèdes plus. But you are not interceding si anymore. Si tu prends un jour de jeûne. If you take one day fasting. Pour la délivrance de ta famille. For the deliverance of your family. Laisse les petits besoins là. Forget about your little needs. Un seul cri. Du matin jusqu'au soir, tu verras. Only one cry from the morning to the afternoon, you shall see. Pas que tu remplis l'univers par ta pensée et tes besoins, mais tu dis à Dieu que j'intercède pour mes parents. Not that you fill the universe with your thoughts of needs, but God said, intercede for your parents. Donc, le manque de prière pour les autres. So the lack of prayer for the others. Les critiques. And criticism, le rejet des autres, the rejection of la others, condamnation des autres, condemnation of le others, mépris des autres, despise of others, détruisent la vie d'intercession, destroy the life of intercession. La parole de Dieu demande aux enfants de Dieu d'intercéder, de prier les uns pour les autres. The word of God requires the children of God to intercede and pray the ones for the others. Prie pour les frères, prie pour les dirigeants. Pray for the brethren, pray for the leaders. Alors que tu as les besoins. Though you have needs. Tu as une minute, on dit prie pour les autres. You have only 1 minute, say pray for the others. Quand tu finis, les 1 minute sont finies. Tu n'as même pas prié pour toi-même. Rien que la prière pour les autres a pris les 1 minute que Dieu t'a donné. When you finish 1 minute, you do not even have time to pray for yourself. Only the prayer for the others has taken all the 1 minute God gave you. Va vérifier ta manière de prier. Go and check the way you pray. Dieu m'a parlé. God has spoken to me, brethren. God told me. Il y a l'intercession. There is intercession. Et il y a les combats spirituels. And there are spiritual warfare. Dans les combats spirituels. In a spiritual warfare. Il y a une partie qui consiste à prendre possession du territoire que Dieu t'a donné. There is part of the spiritual warfare that consists in taking possession of the territory that God has given you. Ce n'est pas pour ça que nous sommes
dans la croisade. We are not in a crusade for that reason. Nous ne sommes pas dans cette croisade parce qu'un démon a arraché notre stylo, on veut récupérer. We are not in a crusade because the demon has snatched our pen and we want to take it back. Nous sommes en croisade. We are in this crusade. Et ça c'est nouveau. And this is new. Parce que Dieu nous a révélé. Because God has revealed to us. Quand il maudit une famille, that when he curses a family, même si un membre de la famille se convertit, even though a member of the family get converted, cette malédiction là ne finit pas pour lui. That curse does not finish for him. Pour que ça finisse, for that curse to finish, il doit intercéder. He must intercede. Dieu permet aux croyants de venir vers lui. God allows the believer to come toward him pour lui demander d'annuler le jugement qu'il avait proclamé. To ask him to cancel the judgment that is proclaimed. Et c'est pour ça que nous sommes en croisade. And that's why we are in this crusade. Oh Père. Oh Father. Ta main est pesante sur nous. Your hand is heavy upon us. Les gens vont te mentir là, Dieu n'existe pas. Les sorciers t'attaquent. People will lie to you that God doesn't exist. The sorcerers are attacking you. Apporte un mouton, le bœuf. Bring a sheep or the cow. Tu vas chez les faux prophètes, dis donne 1 million, tu seras promu. You go to the false prophet, they say give 1 million, you'll be promoted. Et tu donnes, et il n'y a rien. And you give it nothing. Et Dieu dit, c'est moi. And God says, qui vous ai frappé, c'est moi. It is me who have stricken you. Mais je ne veux pas vous détruire. But I don't want to destroy you. Je vous frappe. I strike you. Pour que vos yeux s'ouvrent. For your eyes to be open. Que vous soyez sauvés. And for you to be saved. Et quand il n'y a pas d'intercesseur, and when there's no intercessor, Dieu commence à frapper et à frapper. God starts striking and striking. S'il trouve d'intercesseur, il enlève la malédiction. If he finds intercessors, he removes the curse. S'il n'en trouve pas, il frappe. But if he doesn't find one, he strikes. Isaïe 59. Isaiah 59. Lis pour nous du verset 13. Read for us from verse 13 au verset 18. To verse 18. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. Amen. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. He saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Personne n'intercède. No one intercedes. Ça peut t'étonner, tu dis à Dieu aussi, comment peut-être nous sommes plus de 6 000 dans la salle et il dit qu'on n'intercède pas. You can be astonished saying that God, there are about 6,000 of us in this place, and then they say that we do not intercede. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le Seigneur trouvera-t-il d'intercesseurs cette année? Will the Lord find intercessors this year? Frère, les jugements de Dieu, brethren, the judgment of God, are just. Nous méritons.
ce qui nous arrive. We deserve what is happening to us. Les parents prennent les bébés pour donner à Satan. The children take the babies and the parents take the babies and hand them over to Satan. Les sorciers sèment la terreur et menacent de mort. The sorcerers, they threaten people of death and sow terror. Tu peux arriver dans un village, le père arrache la femme de son fils. You can get into a family, the father takes the wife of his son. Une jeune sœur me disait que à l'âge de 13 ans, son père biologique l'a violée et est resté avec elle. C'est-à-dire, quand elle me parlait, il continue à coucher avec elle. A young sister told me that when she was 13 years old, her biological father he raped her and continued to sleep with her even the time she was speaking to me. Une autre m'a dit que son père a couché avec toutes ses filles. Another told me that his father slept with all his daughters. Pour lui, c'est un travail. Chaque fille, c'est que le père a fait pour l'autre, ce qu'il m'a fait. So for him, it is a work, and each daughter or girl knows that the father did for the others, and he has also done for me. Quand c'est comme ça, when it is this way, y a la malédiction. There is curse. Plaidons que tu nous pardonnes, Seigneur, parce que nous n'avons pas intercédé, Seigneur. Nous avons prié pour nous-mêmes. Je plaide, oh Dieu, qu'en ce jour, tu ordres les conséquences de cette attitude, oh Dieu, que nous avons adoptée jusqu'à ce jour. C'est vrai, nous n'avons pas intercédé. Et nos parents, et nous-mêmes souffrons toujours. Je plaide, oh Dieu, que ces paroles soient ancrées dans nos cœurs. Oh Dieu, pour ma part, j'accepte ces paroles. Et à partir de ce jour, je prends la position d'intercesseur. Seigneur, donne-moi la puissance qu'il le faut pour le faire. Je prie qu'il en soit de même pour chacun de nous. Je prie que cette parole soit diffusée, promulguée au nord-sud, à l'est partout en Côte d'Ivoire, afin que nous soyons des intercesseurs toujours. S'il te plaît, fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Pardonne cette concentration inhabituelle sur les besoins personnels. Pardonne tout le mensonge pendant ces années où nous prétendons intercéder alors que nous sommes concentrés sur nos besoins, criant que tu nous exauces. Seigneur, merci pour la vie que tu nous communiques. Merci de nous ramener parce que tu peux nous bénir. Je prie que chacun de nous s'éteigne de cette parole. Je dis oui, Seigneur. J'accepte d'être un intercesseur pour ma famille. J'accepte d'être un intercesseur pour les frères. J'accepte d'intercéder pour les dirigeants. Seigneur, merci d'ouvrir les yeux. Merci de m'accorder la connaissance ce jour. Je te loue et je te bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Grand grâce, Seigneur. Parce que tu viens de déchirer le voile de l'égoïsme. Seigneur, la méchanceté. Oh Seigneur. Les rancunes. Seigneur, la vengeance enfouie au fond du cœur. Paralysant, Seigneur, la puissance et la capacité que tu nous as donné d'intercéder pour nos familles. Pendant le manque d'amour, Seigneur, le manque de désir de les voir être délivrés, de les voir être sauvés, de les voir être bénis. Oh Seigneur, pardonne-nous. Parfois, le désir d'être à ta place pour les punir. Oh Seigneur, pardonne. Et en ce jour de grâce, Seigneur, je viens me saisir. Et je veux que chacun de mes frères saisisse, Seigneur, ce que tu viens de dire, que tu nous attends, Seigneur. Tu nous attends, Seigneur, et tu as décidé, quand même qu'on le crie,
comme on devrait crier pour nos parents, Seigneur. Comme on devrait crier pour les autres, Seigneur. On n'est pas en train d'intercéder. Et donc, il y a des bénédictions qui sont retenues. Il y a des liens qui sont retenus. Il y a des saluts qui sont retenus. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, cette nuit. J'accepte, Seigneur, d'aller à ton école. Et je prie que chacun d'entre nous se saisisse, Seigneur. Oh, il s'inscrive, Seigneur, à cette école, Seigneur. Oh, dès cet instant, oh Dieu, je te supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lis pour nous Ézéchiel 33, verset 11, et Ézéchiel 22:23-31. Read for us Ezekiel 33, verse 11, and Ezekiel 22, from verse 33 to 31. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ézéchiel, chapitre 22, verset 23 au verset 31. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ses prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à de la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Le Seigneur ne désire pas la mort du méchant. The Lord does not desire the death of the wicked one. Il veut que le méchant se repente et que le méchant vive. He wants the wicked one to repent and live. Mais le méchant est déjà condamné. But he is already condemned. Les jugements de Dieu, the judgment of God, l'ont déjà environné. Have already surrounded him. Il est déjà cerné, il est déjà maudit. He is already surrounded and cursed. La loi a déjà proclamé la mort sur lui. The law has already proclaimed death Mais upon le Seigneur him. Cherche quelqu'un. But the Lord is seeking someone pour se tenir devant sa face et intercéder pour lui. To stand before his face and intercede for him. Et dans le contexte qui est le nôtre, but in this context which is ours, Dieu nous a montré le chemin de la délivrance de nos familles. The Lord has shown us the way to the deliverance of our families. Parce que quand on obtient la délivrance de Dieu, quand on obtient sa miséricorde, because when you obtain the mercy of God, quand Dieu accorde sa grâce, when God grants his grace, la malédiction se retire. Curse departs. Chassé par Dieu lui-même. Cast away by God himself.
Le Dieu qui a maudit décide d'enlever la malédiction. The God that has proclaimed the curse decides to remove the curse. Dès lors, from that time on, on va constater un changement des choses. We will notice a change in the things. Un renversement des situations. A turnover of the situation. Même les ennemis deviennent des hommes au cœur disposé à notre égard. Even the enemies becomes men with well-disposed hearts towards us. Certains vont même se prosterner, comme dit Apocalypse. Que some, je les enverrai se prosterner devant toi. Some will even come to prostrate before you, as Revelation says. Les instruments humains que Dieu a utilisés pour te briser seront jugés et chassés de ta vie. The human tools that God has used to break you will be taken away from your life. Ils seront brisés et chassés de la vie de ta famille. They will be broken and cast away from the life of your family. Ça ne veut pas dire que ta famille sera justifiée pour entrer au ciel tout de suite. Ça veut dire que Dieu leur accorde la possibilité d'être sauvés. It does la not, liberté de courir vers lui. It does not mean that on the spot they are delivered and then they will be meant for heaven, but it just means that God gives them the opportunity to come to him and be saved. Le Dieu qui les avait livrés au penchant de leur cœur va décider que leur cœur revienne. The God that delivered them over to the inclination of their hearts will decide that their heart come back to him. La supplication, supplication est une arme pour un intercesseur. Is an arm, a weapon for an intercessor. Voici les bases. Here are the foundations, the basis d'une supplication. Of a supplication. J'ai dit que supplier, c'est implorer. C'est d'abord une attitude d'humilité. I said that supplication is, first of all, an attitude of humbleness. Tu ne lèves pas les regards hautains pour poser les questions à Dieu. You don't lift up your eyes high to ask questions to Dans God. Dans les supplications, on n'interroge pas Dieu. In supplications, you don't question God. Beaucoup pensent qu'ils ont le droit d'interroger Dieu. Many people think that they have the right to question God. Quand ils prient, ils se fâchent, ils pleurent pour que ça touche Dieu. When they pray, they get angry and they cry, they weep so that God can be moved. Il y a une image dans ma tête quand nous étions tout petits. There is an image in my mind when we're still young. J'ai vu des petits enfants qui se fâchaient, ils tombent par terre, ils font comme s'ils tapent la tête et en regardant sa mère pour voir comment la mère va réagir. I saw some little children when they got angry, they beat their head against the earth, looking at their mother and trying to see how the mother will react. Il veut montrer qu'il est irrité, fâché. Et tu vas te faire mal, il s'en va porter. He wants to show that he is irritated and angry and cries, and then the mother comes and takes him, say that no, you are going to hurt yourself. Tu fais ça avec Dieu, il ne bouge pas. You do this with God, he will not move. Dieu n'aime pas les caprices. God does not like this way of doing. Les cœurs brisés, les cœurs humbles. God is seeking broken and humble hearts. Des gens qui savent qu'il n'y a pas de juste sur la terre. People who know that there is no righteous on earth. Qu'il n'y a même pas quelqu'un qui cherche Dieu. That there's no one who seeks God. Lisez pour nous le psaume 14, verset 1 à 3. Read for us Psalm 14, reading from verse 1 to 3. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu,
Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. Ésaïe 64, verset 5. Isaiah 54, verse 5. Versets 5 et 6. 5 and 6. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'épée de nos crimes. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. But we are all like an unclean thing and all our righteousnesses are like filthy rags. Et pour ceux qui ont des bibles d'études, c'est intitulé la prière du peuple. C'est-à-dire le peuple revient à Dieu et il faut aller lire ça. For those who chapitre have 63 et chapitre 64 d'Isaïe. For those who have Bibles of study, this is there and go and study this. Un bon intercesseur, voilà son langage. Nous sommes impurs à tes yeux. Here is the language of a good intercessor. We are unclean before your eyes. Que même quand nous nous lavons, que quand nous sommes propres, nous sommes toujours souillés devant ta face. And even when we wash ourselves and we are clean in our eyes before you, we are defiled. C'est d'un tel cœur que peut sortir une supplication. It is from such a heart that a supplication can stem from. Donc les bases d'une bonne supplication sont, il y a la bonté. So the basis, la bonté de Dieu, of a good supplication is the goodness of God. Tu sais que nous venons de lire, l'homme, il n'y a personne parmi nous ici qui cherche Dieu. On fouille la Bible là. Tu penses que tu fais quelque chose, tu ne fais rien. So we have just read it. There's no one in our midst here who seeks God. Even you go through the Bible, you think that you are seeking God. You are doing nothing. Tu sors, tu évangélises. Tu penses que tu as tué quelque chose. Tu n'as rien fait. You go out and evangelize, and you think that you have done something. You have done nothing. Tu invites quelqu'un, viens, on mange. Après, tu racontes partout que tu es gentil. Tu donnes à manger aux gens. Tu ne fais rien. You invite somebody saying, come, let us eat together. And after you go out and tell everybody that you are giving food to people, you are doing nothing. Tu vois un pauvre frère là, tu le prends dans ta voiture, tu racontes partout que moi je suis gentil. Quand je vois les gens, même je les dépose chez eux. C'est, moi j'aime les gens. You see a poor brother, you give him a lift, and after you tell everyone that I am good, I take the brethren. Toute notre justice est à ses yeux et à tes yeux comme un vêtement souillé. All our justice before God is just like filthy rags. Une autre base est la miséricorde de Dieu. Another basis is the mercy of God. Il y a l'amour de Dieu. There's the love of God. Il y a la bonté de Dieu. The goodness of God. Il y a la clémence de Dieu. The gentleness of God. Il y a les compassions de Dieu. The compassions of God. Il y a les alliances de Dieu. And there are the covenants of God. Il y a les promesses de Dieu. The promises of God. Il y a la justice et les jugements de Dieu. There is the justice and the judgments of God. Il y a le nom de Jésus. There's the name of Jesus. Et il y a la parole de Jésus. And the word of Jesus. C'est-à-dire quand tu intercèdes, when you intercede, il y a certaines choses qui te donnent le courage. There are certain things that gives you courage. Ce n'est pas sur toi-même. It is not on yourself. Tu n'es rien. You are nothing. Tu n'as rien fait. You have done nothing. Tu te débrouilles, tu lis un chapitre de la Bible, même si tu as lu verse, tu n'as rien fait même. You try and read one chapter of the Bible, even if you read 20, you have done nothing. Quand tu intercèdes, ne dis pas Dieu, tu as vu comment j'ai lu ta parole aujourd'hui. Non. When you intercede, do not tell God, have you seen how I've read your word today?
Si tu le fais, tu sors de la bénédiction. If you do it, you get out of blessing. Il y a le nom de Jésus. Quand tu dis oh Père, au nom de Jésus. When you say oh Father in the name of Jesus, ce n'est pas le jeu. It's not a joke. Ça c'est des terrains que le Père même respecte. These are places, things that the Father himself respects. Si tu dis à Dieu, if you tell God, à cause de ta bonté, because of your goodness, tu vas le toucher. You will touch him. Dans le texte que nous avons lu dans Isaïe, in a text we have just read in Isaiah, il dit à Dieu, cependant tu es notre Père. He tells God, you are our Father. Verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. However, you are our father, for Abraham does not know us. Et Israël ignore qui nous sommes. And Israel ignores who we are. C'est toi, Éternel. It is you, Lord. Qui est notre Père. Who is our Father. Qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Who is named our Savior since eternity. Verset 17. Verse 17. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Oh Lord, why do you make us wander far away from your ways? Et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? And you harden our heart against your fear. Reviens pour l'amour de tes serviteurs. Come back for the love of your servants. Des tribus de ton héritage. The tribes of your heritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Your holy people possessed the nation only just a short time. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Our enemies has tread on your sanctuary, etc. Vous voyez, you see, la différence. The difference. Cependant, however, tu es notre Père. You are our Father. Il dit, il y a des gens qui disent notre Père Abraham. Il dit, Abraham même ne nous reconnaît pas. Mais toi, tu connais. Il veut dire à Dieu, il veut dire que Dieu est le Dieu de l'éternité. He says that there are some people who said our Father Abraham. Abraham does not even know us. He wants to say that you are the God of eternity. Parce que dans la tête de certains juifs, quand tu dis Abraham, là, c'est comme si tu as créé le monde. Because in the head of some Jews, when you say Abraham, it is as if he's the one who created the world. Mais l'intercesseur restaure la souveraineté de Dieu. But the intercessor restores the sovereignty of God. Il dit Abraham même là, on dit Abraham, Abraham là, il nous connaît. Ou c'est toi qui nous a créé. He said even Abraham, people say Abraham, Abraham, he does not even know us. You are the one who created us. Frère. Brethren, Dieu veut les intercesseurs. God wants intercessors. Il veut les supplications. He wants supplications. Dans la supplication, in supplications, il faut t'identifier à ta famille. You must identify yourself to your family. Tu t'identifies à ta famille. You identify yourself to your family. Et tu te repens. And you repent pour toi-même et pour toute la famille. For yourself and for the whole family. Dieu a permis ça. God allowed that. Dieu autorise à l'intercesseur, au sacrificateur, d'implorer la miséricorde de Dieu pour le peuple. God authorizes the intercessor or the priest to implore the mercy of God for the people. Si nous pratiquons ceci, if we do these things, je vous ai dit, on peut prier pour la nation. I told you that we can pray for the nation. Il y a des jours pour ça. There are times. There is time tu for peux that. Prier pour toi-même. You can pray for yourself. Il y a des sujets pour ça. There are topics for that. Mais c'est dommageable. C'est un dommage. It's a damage. Quand les gens déclarent, when people proclaim qu'ils vont intercéder pour leur famille, that they are going to intercede for the family, et qu'ils convertissent ça à leurs propres besoins, and they convert it to their own needs, si bien que famille 10%, leurs propres besoins 90%, so that
10% of prayer for the family and 90% of prayer for themselves. C'est pour cette raison que au début, même moi-même j'étais frustré, je voulais les combats parce que je savais que cette année-là, c'est le diable avait déjà même plié les bagages. That's why even I myself I was ready for warfares and I told myself that this year even the devil will pack up and run away. Si nous pratiquons cette intercession, if we practice this intercession, nous aurons plus que ça. We will get more than that. C'est-à-dire Dieu va commander, il va ordonner le salut, la délivrance. Parce que quand il ordonne, il y a une armée, il y a des armées qui exécutent cela, des anges qui exécutent cela. Because God will ordain deliverance. Because when he ordains, there are army of angels that execute what he has ordained. Jésus a dit à ses disciples. Jesus told his disciples. Que si je demande, si je voulais la délivrance, if I wanted deliverance, je demandais à mon père. I could have asked my father. L'intervention des anges. The intervention of angels. Il enverrait 12 légions. He would have brought 12 legions. Juste pour dire ne le touchez pas, 12 légions. Just to tell him, don't touch him. Non, 12 legions. 12 légions d'anges pour dire aux hommes qui sont partis l'arrêter de ne pas le toucher, pas même de combattre. 12 legions. Que ne le touchez pas, 12 légions. Not even to come, not even to fight, but to tell these people, don't touch him. À combien plus forte raison pour venir te délivrer de l'abîme. How much more to come and deliver you from the pit. Ceux qui sont envoûtés dans les eaux, those who are bewitched in the waters, vont sortir. Will get out. Mais Dieu va leur montrer. Ce n'est pas qu'ils vont, ils seront là inconscients, ignorants de tout. God, Dieu va leur montrer God will leur show délivrance them. Des eaux et des esprits des eaux. God will show them the deliverance from the waters and the spirit of waters. Ceux qui sont sous l'emprise des maris de nuit et des femmes de nuit. Those who are under the grip of night husbands and night wives. Ils seront tous délivrés et Dieu permettra qu'ils voient leur délivrance. They will all be delivered and God will allow them to see their deliverance. Il fera de toi un témoin. Pour faire de toi un témoin, il te montre. He will make of you a witness, and for you to be a witness, he shows you. Les apôtres prêchaient avec conviction, témoignant que Jésus est ressuscité. Pourquoi? Parce que Jésus leur a montré sa délivrance, sa résurrection. The apostles preached with conviction, testifying that Jesus is alive, and he says why? Because God, Jesus showed them. Le type de délivrance qu'il y aura cette année est le type qui fait des uns et des autres des témoins de Jésus. The type of deliverance that we will witness, we will experience this year, is the kind of deliverance that makes of you a witness of Jesus. Et avant chaque enseignement, before each teaching, si tu as un vrai témoignage, if you have a true testimony, tu viens le rendre. You come and testify. Rien n'a changé. Nothing has changed. C'est la concentration qui a été modifiée. It is the concentration that have been modified. Dieu veut, God wants, que l'ennemi tombe. That the enemy, he wants the enemy to fall down. À travers l'arme, l'arme de la supplication, de l'intercession. Through the weapon of supplication and intercession. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Renverser les idoles. Overthrow idols. Examine ta vie. Examine your life. Vois l'état de ton cœur. See the condition of your heart. Le péché est caché dans les désirs. Sin is hidden in the desires. Pour s'examiner, c'est facile. To examine oneself, it is easy. Reste calme devant Dieu. Remain calm before God. L'esprit va te faire voir tes désirs. And he will make you see your desires.
C'est ce qui sort qui suit l'homme. It is that which comes out that defiles man. Quand quelqu'un veut commettre l'adultère ou la fornication, when someone wants to commit adultery or fornication, il sait dans son cœur le jour où il a décidé de le faire. He knows in his heart the day he decided to do it. Dieu commence à compter, même s'il n'y a pas eu l'occasion, il a déjà commencé. God starts counting. Even if you didn't have the opportunity, God has already started counting. Quand quelqu'un vole quelque chose comme la dîme, personne ne sait que tu as volé la dîme. When someone steals something like the tithe, no one knows it. Toi-même tu sais. You yourself, you know. Quand quelqu'un est orgueilleux, when someone is proud, il sait. He knows. Pourquoi? Why? Le Saint-Esprit est venu pour convaincre l'homme du péché. Because the Holy Spirit came to convict man of sin. Quand tu dépasses la limite, when you go beyond the limit de ta liberté, of your freedom, il te signale. He gives you a signal. Tu es sorti. You have got out. Si tu es sage, tu t'arrêtes. If you are wise, you stop. Tu es sauvé. And you are saved. L'idole, c'est les choses que tu aimes, que nous aimons, que nous ne voulons pas laisser. Idols are the things that you love, that we love and we don't want to abandon. Si c'est la nourriture, tu sais, beaucoup ne gênent même pas. Ils n'ont même pas de problème, mais l'appétit, quand à partir de 5 heures même déjà, ils veulent déjà manger. Many know, if it is food, you know. Some even are not fasting, not that they have a problem, but they are starting from 5 a.m. they want to eat. Travaillons sur la liste des idoles tous les jours. Ne dis pas que j'ai travaillé sur ça. Chaque jour, tu prends, tu regardes, tu travailles. We must work on the list of idols every day. Do not say that I have already done it. Every day you take it and you check. L'autorité spirituelle, ça vient avec la sanctification. Spiritual authority comes with sanctification. Dès que tu te sanctifies, le diable sait. As soon as you sanctify yourself, the devil knows. Il ne peut rien. That it can do nothing. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Dis à Jésus. Tell Jesus. Fais de moi un intercesseur. Make of me an intercessor. Dis-lui, je me repens de la présomption. Say that I repent from presumption. Je croyais que j'étais un intercesseur. I thought I was an intercessor. Je réalise que je n'avais même pas encore commencé. I realized that I have not even started yet. Dis-lui que je manque cette capacité que toi tu as. Tell him de t'asseoir sur le trône. Tu n'as aucun problème, tu n'es pas malade, tu n'as rien. Tu es Dieu, mais tu intercèdes pour nous jour et nuit. Tell him that I lack this capacity that you have. You have done nothing, you have no problem, but you are sitting on the throne and you intercede every day for us. Prions. Let us pray together. Dis, oh Dieu, donne-moi les mots. Oh, say, oh Lord, give me words. Dis, oh Dieu, donne-moi cette sagesse. Say, oh God, give me this wisdom. Cette sagesse qui a habité Némi, Isaïe, Daniel, Moïse et les autres. That wisdom that dwelt in Daniel, in Moses and all the others. Cette sagesse qui a habité les apôtres. This wisdom that dwelt in the apostles. Prions ensemble. Let us pray together.
Dis Seigneur, donne-moi la puissance. Say Lord, give me the power. De m'approcher de toi. To draw near you. Avec humilité. With humbleness. Il y a environ 500 personnes dans la salle. There are around 500 people in the hall. Mais nous sommes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, plus de 50 000 personnes. But in the north, south, east and west, we are more, there are more than 50,000 of us. Nous venons de nous exhorter. We have just encouraged ourselves. Qui va dire ces choses aux autres 50,000 personnes? Who is going to tell this thing to the other 50,000 people? C'est le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Ça veut dire que même si nous prenons des engagements ici, est-ce que tout le monde est là? That it means that even if we if you take commitments here, is everybody around? Et les autres? What about the others? Qui va leur dire ces choses? Who is going to tell them those things? Le Saint-Esprit va les visiter. The Holy Spirit is going to visit. Le Saint-Esprit va produire la révélation. The Holy Spirit is going to produce revelation. Le Saint-Esprit va produire la sagesse. The Holy Spirit is going to produce wisdom. Certains vont commencer à pratiquer sans enseignement. Some will even start practicing without any teaching. Ce qu'il a fait en moi pour qu'on ait ce message, il va faire ça dans l'esprit. What he did in us, in me, for us to get this message, he will do it in the spirit of the others. Il m'a convaincu que nous avons négligé l'intercession. He convicted me that we have neglected intercession. Et j'ai repris le dictionnaire. And I took back the dictionary. Et le message était vrai. And the message was true. Intercéder. Interceding. C'est prier instantanément pour les autres. Is to pray instantly for the others. Pour obtenir quoi? La faveur, la grâce, la miséricorde. To obtain what? Favor, mercy. Pas même pour obtenir un objet. D'abord, la miséricorde, la grâce. Not even to obtain an object. First of all, mercy and favor. Nous verrons ça la prochaine fois. We will see this next time. C'est-à-dire l'objet de l'intercession. L'intercession recherche quoi exactement? That is, what does intercession intend to? Hallelujah. Praise the Lord. Prions. Let us pray. Seigneur, communique ces choses au nord, à l'est, à l'ouest, au centre, au sud. Explique aux jeunes gens, explique aux vieillards, explique aux adultes, explique aux disciples, explique aux faiseurs de disciples. Donne des révélations, donne l'esprit de sagesse. Conduis chacun d'une manière révolutionnaire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Saluez les frères comme ça. Greet the brethren like this. Père, ramène chacun sain et sauf à la maison. Father, take each one safe and sound home. Bénis ceux qui veulent veiller aujourd'hui pour prier seul. Bless those who would like to watch today in order to bénis pray. Bénis ceux qui veulent veiller en groupe. Bless those who want to watch in group. Bénis ceux qui veulent se reposer pour se réveiller tôt. Bless those who want to rest in order to get up early. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen.